Bienvenue dans C'est l'hebdo la suite avec Natacha Polony, Victor de Quiver, oui j'ai les noms de famille, bah oui. Et Varrock. On accueille ce soir trois invités culottés. Alessandra Sublet qui se lance dans le seul en scène après avoir été pendant 20 ans une des animatrices télé les plus populaires. Le chanteur Vianney qui arrête les tournées alors que son album de duo A2 A3 cartonne. Et Stéphane de Groot qui joue dans la première pièce de théâtre qu'il a écrite, Un léger doute. Nous accueillons Alessandra Sublet, Stéphane de Groot et Vianney. Bonsoir. Ça va? Voilà le verre. Bonjour. Salut, salut. C'est tout en vert. Ah ouais. Bonsoir. Vert, tout on est assez en vert. Ouais. Ça fait une belle brochette. Ouais. Je tranche avec le bleu, pardon. Oui, mais non, c'est bien. Oui, c'est pas mal. C'est bien. Bonjour. On a bien quand même. On n'a jamais eu une aussi belle brochette. Alessandra, tous les risques n'auront pas la saveur du succès. C'est au Théâtre Libre jusqu'au 23 décembre. Stéphane, votre pièce Un léger doute, c'est au Théâtre de la Renaissance jusqu'au 7 janvier. Et Vianney, votre album A2, A3 vient de sortir. En vous présentant tous les trois, je disais que vous étiez culottés. En tout cas, c'est l'impression qu'on a. Quelle est la fois où vous avez eu le plus d'audace? Ah, le plus de culottes, vous voulez dire? Ouais. C'est à toi, bah, hein, moi, forcément, en arrêtant il y a 2 ans ce métier et de me lancer dans une aventure, alors que je savais, je pense absolument pas ce que j'allais réussir à faire et surtout si la scène allait me plaire, oui, là, je pense que celui-ci, on peut le marquer d'une croix blanche. Et ça se passe très bien en plus. Et vous, Stéphane? Alors, est-ce que de l'audace, c'est du courage? Ouais. Alors, je pense que d'aller au bout de ses envies, au bout de ses rêves, c'est pas ça qui est courageux. Je pense que c'est plutôt l'inverse. Ce qui est compliqué et ce qui est courageux quelque part, mais dans le sens inversé, c'est de ne pas aller au bout de ses rêves. De pouvoir vivre sans aller au bout de ses rêves. Je trouve que c'est assez courageux parce que c'est assez chiant et c'est assez contraignant et c'est assez contrariant. Vous êtes allé au bout de certains rêves quand même. Oui, oui, ça c'est un peu, je fais la collection. C'est un peu mon mantra. T'as dit n'importe quoi. Ouais, parce que c'est ça. Oui, mais se contredit. Pas avec n'importe qui. Et c'est ça. On a rien compris. Mais j'aime bien ce qu'il dit. J'aime bien ce qu'il dit parce que c'est vrai que. Et Alexandra, c'est ça aussi d'ailleurs, c'est de dire non. Parfois, c'est ce qu'il y a de plus audacieux. Et... Alors, vous, la dernière fois que vous avez dit non. Et moi, c'est quand j'ai décidé d'arrêter de ma tournée. Donc, je ne fais plus de tournée. Je fais que des chansons, donc beaucoup pour les autres. Et puis cet album, et voilà. J'aime faire des chansons, donc c'est ça ma vie, mais j'aime aussi mon petit garçon et la vie de famille. Donc dormir à la maison, c'était devenu essentiel. Quelle idée. C'était déchirant, déchirant d'arrêter la tournée, mais finalement, voilà, ça paye, parce que ça rend heureux d'être audacieux. Ouais, c'est ça, ça rend heureux d'être audacieux. Ah bah a priori, oui. On se dit qu'on a eu raison de les réunir, Eva. Alors la réponse est oui, comme chaque semaine. Non, mais genre, si c'est non, c'est compliqué. Ouais, c'est arrivé. Non mais j'ai trouvé la raison pour laquelle il fallait vous réunir tous les trois, c'est l'ennui, ou plutôt la lutte contre l'ennui. Lutte contre l'ennui, parce que vous êtes quand même trois hyperactifs, ce qui n'exclut pas d'ailleurs une certaine forme de procrastinité pour certains. Aiguë, ouais. Stéphane de Groot, je vous regarde en priorité. Mais c'est vrai que vous êtes tous les trois dans l'action et dans le mouvement en permanence. Regardez ces phrases qu'on a retenues de vous, je pense que vous auriez pu vous les attribuer en fait réciproquement. Vianney, vous avez dit, depuis tout petit, je fais ce dont j'ai envie, c'est mon état d'esprit, je ne veux pas m'ennuyer, c'est ma logique de vie. Alessandra, vous êtes sur le même créneau, totalement. Vous dites, le challenge me nourrit, si je n'ai plus de challenge, je m'ennuie. Et vous, Stéphane, vous dites, avant même de savoir ce que je voulais devenir, j'avais déjà besoin de me projeter, encore aujourd'hui, il faut que je sois dans le mouvement. Mais est-ce que le mouvement, c'est la vie? Oui, mais je pense que tous les trois, vous auriez pu en fait prendre la phrase de l'un et de l'autre. Mmh. Elle reflète en fait assez bien, je trouve, ce que vous faites en ce moment. Le fait que vous êtes aujourd'hui sur scène, chacun à votre place, ou en dehors de la scène, mais en tout cas, on a l'impression que vous savez où vous êtes et vous avez consolidé cet endroit-là. Il n'y a pas de place pour l'ennui ou pour une forme d'inertie, en tout cas. Mais est-ce qu'il ne faut pas savoir s'ennuyer parfois dans la vie? Vous avez 2 secondes pour répondre, en tout cas pour être créatif et pas 2 heures. C'est toi qui commence évidemment. Non, mais par exemple, quand on est en processus d'écriture, l'ennui arrive très vite. Hein. Ouais. Ça, on n'est pas tout le temps dans l'hyperactivité. Et donc du coup, on le palie. Alors moi, je vais marcher par exemple beaucoup, mais non, je crois que c'est comme quand on dit « c'est bien que les enfants s'ennuient ». Oui, enfin, dans l'absolu, on s'est tous ennuyés gamins, c'est pas non plus... Oui, ça dépend ce qu'on fait de l'ennui, quoi. Oui, ouais, mais voilà, ça, en oui. fait. Oui, quand ouais. on s'ennuie, ça veut dire que sur un sujet, puis alors on passe au suivant pour arrêter de s'ennuyer sur un sujet, mais ça veut dire que si on passe tout de suite à quelque chose d'autre, donc on est toujours actif. Exact. Et on peut s'ennuyer dans une certaine activité. Oui. Non. Mais c'est créatif. Ben alors l'idée, c'est d'être toujours créatif. Ouais. C'est d'imaginer, de recomposer, de recréer quelque chose en permanence,
pour réinventer la chose et puis du coup de se réinventer soi-même. Mais l'ennui aide à la créativité. Moi, je suis totalement d'accord avec toi. Ça passe par la rêverie, par l'attention aux sensations, par l'attention tout à coup à tout, plutôt que de se focaliser sur ce qui bouge. Mais alors moi j'ai une tout à fait. Alors moi j'ai une question. C'est entre actif et hyperactif, c'est quoi la différence? Non. Avec cet exemple-là, on la voit. Non, mais vous pouvez être actif en ayant un ou deux projets dans votre vie. Quand on commence à en avoir 4, 5 ou 6, on peut. Oui, mais pour certaines personnes, un ou deux projets, c'est énorme. Et pour d'autres, 5, 6, c'est pas assez. Ah oui, c'est vrai, c'est juste. Et vous, Vianney? Votre rapport à l'ennui? Non, et en fait, je suis assez frustré parce que moi, j'arrive pas à m'ennuyer encore. J'aimerais vraiment m'ennuyer parfois. Mais en effet, peut-être qu'avant même de m'ennuyer, je fais un truc qui m'obsède, qui me passionne. Et du coup, je n'ai pas le sentiment de m'ennuyer. On va voir si vous allez vous ennuyer avec nous. On va d'abord parler de Stéphane. Stéphane De Groot. Ouais, on vous a choisi en premier. On a jusqu'au 7 janvier pour aller voir votre pièce, Un léger doute, au Théâtre de la Renaissance. C'est la première que vous avez écrite. C'est avec Constance Zollet, Éric Almosnino et Bérangère MacNeys. Une pièce qui désarçonne dès le début. On ne sait pas si elle vient de s'arrêter ou si en fait elle vient de commencer. Vous dites tout au long de la pièce que le présent n'existe pas. Vous le pensez vraiment ? Je suis convaincu par cette idée qui m'obsède. Le temps m'obsède. Là, le présent n'existe pas. Ça n'existe pas, ça. Mais ça a existé il y a une seconde et ça va exister dans une autre. Mais le temps zéro n'existe pas. Et je l'illustre dans la pièce. C'est comme le vélo. Je l'illustre par le vélo. Si on s'arrête de pédaler, on tombe. Et ben c'est l'image que je me fais du temps qui passe et du présent. Donc pour moi, le présent n'existe pas. Vous êtes dans le passé ou dans le futur, alors, vous? Là? Ouais. Ben, c'est pour ça que je me projette beaucoup, c'est parce que je rapatrie le futur dans un certain présent. Ça va être compliqué, on va perdre des gens là. Mais oui, donc je remets beaucoup de choses en question, c'est-à-dire que cette idée m'est venue pendant le confinement, où je me suis dit, s'il n'y a pas de public pour nous regarder, nous comédiens, comédiennes, nous ne sommes pas grand-chose. Et puis, ça s'adapte aussi à la vie au quotidien, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas là pour nous regarder ou nous pour vous regarder, on ne sait pas si on est grand, petit, sympa, on est conditionné par le regard de l'autre. Et donc je brasse tout ça, c'est le regard de l'autre, c'est le temps qui passe, est-ce que cette table existe, est-ce que c'est... C'est un hommage aux acteurs aussi. C'est un hommage aux acteurs, au théâtre, puisque j'en joue du théâtre, c'est-à-dire que pour moi, en fait moi j'ai écrit une pièce, moi en tant qu'auteur, en imaginant qu'il n'y ait personne dans la salle, voilà. Et donc quand j'arrive sur scène, j'arrive en tant que Stéphane De Groot, parce que pour moi la pièce est terminée, et je viens chercher mes clés. Et ma femme, Constance Delay, qui pour elle la pièce continue, celle qu'on a jouée avant, pour elle, il y a 600 personnes dans la salle. Elle ne comprend pas pourquoi je viens rechercher mes clés et pourquoi je m'en vais. Et le léger doute, il est là. C'est que elle dit, mais pourquoi est-ce que c'est Stéphane et pas Jacques, le personnage? Et moi, je lui dis, mais pourquoi tu continues à jouer? Et ce que je veux illustrer par là, c'est que, effectivement, les personnages, enfin, les acteurs et les actrices s'accrochent à leur personnage pour s'accrocher à une forme d'existence, à un rôle. On passe notre vie à mettre un masque, à proposer quelque chose. C'est quoi votre masque, vous? Mais mon nez, déjà, c'est pas un vrai nez. C'est celui de Cyrano. Mon masque, je pense que mon masque, c'est à travers tout ce que je fais. Quand j'ai fait des courses de voiture, le fait de mettre un casque... C'est... Justement, on va regarder. Parce que vous êtes un fonceur, vous avez été pilote de course pendant 15 ans et vous vous êtes lancé le défi d'être pilote de Formule 1. Il y a un documentaire vraiment qu'on a adoré sur Canal+, où cette fois-ci, vous vous mettez à la Formule 4, on voit toute la préparation. Ça revient bien avec le dos droit. On est pas mal. Donc là, ça va me permettre d'aller plus vite en voiture. Exactement. Je suis déjà explosé, hein, donc je ne sais pas du tout où on voit comme ça, mais... Très bien. Mais ça fait hyper mal. Désolé, ouais, je sais. En fait, ça peut gêner l'épaule. Ah oui, mais ça me gêne, il faut enlever l'épaule. La voiture dans laquelle je vais rouler s'appelle une Formule 4. C'est une monoplace de promotion qui ressemble à une Formule Renault. C'est un peu comme si vous étiez en première année. Et après 25 ans de pause, je crois que ça va me faire beaucoup de bien de retrouver des sensations de pilotage en monoplace. À Monza. Énorme. En fait, quand on parlait des rêves, c'est que, effectivement, j'étais pilote pendant 15 ans, je me suis arrêté à l'antichambre de la F1, en Formule 3000. Parce que j'étais trop vieux, parce que tout ça... Bon. Et puis des années ont passé, et grâce à ce métier, on est un peu plus exposé, et donc j'ai reçu des propositions pour faire une coupe alpine, celle-là. J'ai fait 2-3 courses là-dedans. Et puis les gens de chez Alpine, un jour, en réunion, me disent « Stéphane, qu'est-ce que tu aimerais faire d'autre ?» Et pour rire, je dis « rouler en Formule 1 ».
Et ils m'ont dit, mais c'est possible. Mais j'aurais dit, tiens, j'aimerais bien un café, hein, c'était la même chose. Et puis ils m'ont dit, mais en fait, si tu nous amènes un média important, on pourrait imaginer que tu roules en Formule 1. J'ai appelé le patron de Canal+, Maxime Saada, je lui dis, est-ce que ça t'intéresse, un documentaire sur ma vie d'avant, ma vie d'aujourd'hui? Parce que le but, c'est que je réalise un rêve. C'est pas d'argent, est-ce que vous pouvez payer la location de la bagnole? Et l'idée, c'était que la cerise sur le gâteau, c'était de rouler en F1. Et la morale de l'histoire, c'est qu'il n'y a pas d'âge pour réaliser le rêve de sa vie. Donc il m'a dit oui. J'ai rappelé Alpine en faisant un documentaire de 52 minutes. Et il m'a dit, OK, dans les 6 mois, tu roules en F1. Et 6 mois plus tard, je me suis retrouvé dans la F1 d'Esteban Ocon à Monza. Ça, c'est un point commun que vous avez tous les deux. Vous adorez la vitesse. Vous faites de la moto, vous êtes aussi... peut-être c'est pas la vitesse, mais c'est des sensations. Vous êtes aussi pilote maintenant? Pilote d'avion, ouais. Ouais, bah oui, parce que j'aime tout. En fait, c'est des engins qui permettent une liberté totale. Décoller en avion seul, c'est extraordinaire. Et c'était pas forcément un rêve de gosse, mais... mais voilà, je vais me balader souvent. Ouais, c'est vrai. Vous bricolez aussi, il paraît. Ouais, je bricole aussi. Bah oui, parce que du coup, quand on a des motos, quand on a des avions, c'est bien de savoir. Et quand on passe un brevet de pilotage, de toute façon, globalement, on vous demande beaucoup de choses aussi en mécanique. Donc, tu fabriques tes avions aussi? Non, alors, en papier, ouais, pour l'instant. Mais oui, c'est... Et vous cherchez quoi, la montée d'adrénaline? C'est de l'adrénaline et c'est ce sentiment de liberté totale. C'est que, en fait, quand on est quand on pilote un avion seul, on est seul au monde. Moi, j'aime beaucoup la solitude. Et donc, du coup, je suis bien, je suis dans un élément qui me va. Après, chacun son truc. Voilà. Ah, là, c'est sûr que vous êtes vraiment toute seule. Diane, votre mère est pilote d'hélicoptère, je crois. D'avion. D'avion. Et c'est votre père qui est pilote d'hélicoptère de combat. Ça me fait marrer, toi aussi. Et vous, alors? Non, moi, aucun de mes frères, c'est le grand désarroi de mes parents. Pourquoi? Mais je sais pas. Pourtant, on en a fait plein petit, tout ça, mais on a trouvé nos domaines qui n'ont rien à voir avec ça. Je sais pas, on a voulu faire un truc différent. Et par contre, les femmes pilotes, ma mère, quand elle était instructeur pilote en plus, donc elle apprenait vraiment aux gens à voler, il n'y avait que dalle de nana. Hein. Elle me raconte, c'était chaud. Mais bon, ils se sont rencontrés sur un aérodrome. Et puis voilà, ça reste leur grande passion. Voilà, ils se sont reconvertis parce qu'avec 4 enfants, on peut pas avoir une famille de 4 enfants en étant pilote en vrai. Donc ils ont dû avancer dans la vie, mais c'est leur grande passion qui les réunit. Parce que cette passion-là que vous avez, c'est peut-être aussi ce qui vous a mené au métier d'acteur. On va revoir à la scène mythique la course-poursuite dans Bullitt avec Steve McQueen. Est-ce que c'est pas ce genre de cinéma qui vous a donné envie d'être pilote de course? Est-ce que vous n'aviez pas le métier d'acteur en tête dès le début? Non, c'est pas ça qui m'a donné envie. Ce qui m'a donné envie, c'est la représentation du pilote. Et la représentation de l'acteur. L'acteur, c'était De Funès. C'est celui qui fait rire. Et je me suis dit, j'ai envie de faire rire pour me faire apprécier et aimer des autres. Et pilote, c'est quand j'ai vu la mort de Gilles Villeneuve à la télévision, ça a fait la une des journaux, et je me suis dit, j'ai envie d'être un héros. Il était présenté d'être comme mort, un héros. Non, d'être comment? Un héros. Pas d'être mort, mais d'être un héros. Oui. Qui vous dit que je suis mort ou vivant, là? Le présent n'existe pas, Aurélie. Donc c'était la représentation. Et je pense que c'est l'apparat, le casque, la combinaison, le comédien avec son costume, je pense que c'était la représentation qui me plaisait plus que d'être pilote fondamentalement. Vous, le défi que vous vous lancez, Alessandra Sublet, c'est le seul en scène. C'est-à-dire que vous avez carrément mis fin à votre carrière d'animatrice alors que vous étiez plus populaire que jamais. Comment ça s'est passé? Est-ce qu'un matin vous vous levez et vous vous dites, j'en ai marre de ce métier à la con? Ah non, pas du tout. Ah bah non, j'ai adoré le métier que j'ai fait. Et d'ailleurs, j'ai pas fait un métier de journaliste, j'ai fait un métier d'animatrice. Et j'en suis très fière, parce que c'est un mot qui a été très galvaudé. J'ai fait 20 ans d'un métier extraordinaire. J'ai fait des émissions que j'ai vraiment... passionnément aimé, et je pense que quand on fait justement quelque chose avec passion et qu'on a moins le cœur qui bat, c'est presque malhonnête d'y être. Donc oui, il y a un confort matériel, il y a un confort financier, mais encore une fois, comme je suis vraiment quelqu'un de très libre, je crois, j'avais besoin d'aller voir ailleurs. Mais pourquoi vous en aviez marre? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, ça vous est moins vibré? Déjà, je commençais à écrire un petit peu le projet du seul en scène. Et puis après, je me suis dit, la seule façon d'y aller à fond, c'est de sauter dans le vide et de tourner une page. C'est comme une histoire amoureuse. Si vous voulez redémarrer un jour sur de bonnes bases, c'est compliqué d'avoir... quelque chose. Oui, exactement. Et ça n'a jamais été mon cas. Donc, je crois que j'avais besoin de ça et j'ai aucun regret. Et encore une fois, je suis vraiment très, très heureuse de ce que j'ai pu faire pendant 20 ans. Mais voilà, c'est arrivé dans ma vie. Et puis, j'ai déménagé dans le Sud.
Voilà, j'ai la vie que j'ai envie d'avoir, qui est une vie d'après moi. De toute façon, je suis en rien mondaine. En rien, je me couche tôt, je marche beaucoup. Enfin, j'ai une vie chiante, en fait. Donc, c'est pas une vie du tout pour la ville. Non, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est que je suis empreinte de... Voilà, j'aime la nature, j'aime le vide autour de moi, entre guillemets. J'aime le silence, j'aime... Et aujourd'hui, vous êtes plus en adéquation avec ce que vous êtes. Mais je suis pas en adéquation. Là, tu te fais un peu chier autour de nous, mais tu veux qu'on se laisse un peu. C'est à ce moment-là... Non, mais oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, étonnamment, j'ai fait un métier pendant 20 ans où j'aimais profondément recevoir les gens. Et voilà. Mais... Vous aimiez ça? Ah oui, évidemment. Mais j'ai jamais fait semblant. Mais je crois que là, globalement, les gens le savent, en fait. Moi, j'ai du mal à tricher. Quoi. Vous aimez quoi dans ce métier d'animatrice? Qu'est-ce que vous aimiez? J'aime écouter les autres, déjà. Donc, dans ce métier, je crois que c'est la règle numéro un. Parce qu'il y en a beaucoup qui s'écoutent quand même. Et la deuxième, c'est parce qu'on a cette chance dans ces métiers de rencontrer des gens formidables. Moi, j'ai eu la chance pendant 20 ans de rencontrer des gens extraordinaires. Et je le dis dans le seul en scène, c'est d'ailleurs souvent les plus érudits, les plus ouverts d'esprit, les plus curieux qui ont eu l'intelligence de m'élever. Ça, c'est un vrai point pour moi parce que je trouve qu'on arrive... tous de façon un peu inégale dans la vie, sur la culture notamment, et qu'en fait, il faut vite comprendre qu'il n'y a pas une échelle de 1 à 10, et certains sont à 10 et d'autres à 0. Déjà, moi, j'aime les gens qui ont l'intelligence de la vie, plus que ceux qui ont la culture et qui nous l'étalent. Et voilà, et j'appuie sur des choses comme ça, dans le seul en scène, qui sont importantes pour juste essayer de décomplexer les autres aussi. Vous n'êtes pas tendre avec vous-même. Enfin, on adorait vos bourdes, donc même c'est devenu faire une sublée. Il y a un magnéto où on voit quelques-unes de vos bourdes. Nous, on n'a pas fait ça, on a fait l'inverse. On a montré toutes les fois où vous étiez extraordinaire. On a choisi... Mais je m'en sers pour rebondir sur le principe du rebond dans la vie. Hein. C'est qu'il n'y a jamais rien de grave, en fait. Ces erreurs-là vous construisent et font même de vous des êtres meilleurs, je trouve. Accepter ses faiblesses, c'est renforcer son estime de soi. Ça, j'en suis absolument convaincue. Et le dire, c'est peut-être le mettre dans la tête des gens et de se dire, OK, c'est pas grave, je continue, j'avance. Voilà. On commence avec une fois. Alors, c'était une situation de crise. Vous l'avez très bien gérée. Maïwenn est votre invitée. Il y a une photo de sa mère qui est projetée. Et voilà ce que ça donne. C'est joli. Oui, mais il ne faut pas la mettre. Alors, on ne la met pas. Ouais. On a remplacé par Isabelle Adjani. Vous voulez me dire pourquoi ça vous émeut et que ce n'est pas le genre de choses que vous avez envie de voir? Oh, putain. Maïwenn, vous savez... Alors, attendez. Je peux être championne du monde pour changer de sujet si vite et... Une émission de télévision, c'est aussi de l'humain, on n'est pas là pour ça. Et Maïwenn, je vous assure que si c'était si terrible, on ne l'aurait pas fait et j'en suis mille fois désolée. Vous avez créé de vrais rendez-vous. Il y a eu Apostrophe, bien sûr, le Grand Échiquier, il y a eu aussi Champs-Élysées. Aujourd'hui, quel regard vous portez sur la télé qui est celle d'aujourd'hui? Un regard quand même amoureux. Je suis, comme tous les écrivains, insupportable, pointilleux et narcissique. Est-ce toujours vrai? Oui, c'est... Oui. Et je vais vous dire, non seulement c'est toujours vrai, mais ça devient de pire en pire. Sur ton chemin, cours, et c'est très bien. C'est comme une de tout qui s'éloigne d'un petit en de l'hiver, et un beau matin. Vous étiez très enceinte, à ce moment-là. Très, 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 très enceinte, parce que j'ai accouché 3 jours après. Oui, mais de toute façon, le direct, c'est des moments qu'on ne maîtrise pas forcément. C'est aussi ce qui fait, je trouve, le sel et la saveur de cette émission qui est C'est à vous. Et il y a un souvenir qui, en particulier, un meilleur souvenir ou pas? Non, parce que ces 4 années, vous savez, c'est Philippe Gildas qui disait « un jour chasse l'autre ». Et c'est vraiment vrai. C'est-à-dire qu'en fait, le bon souvenir d'hier va être remplacé par le meilleur du lendemain, quelque part. Mais la chance de rencontrer tous ces gens-là. Est-ce qu'il y a une pire interview? Parce que nous, on en a une en tête. Non, mais vous allez voir. C'est incroyable. Oui. C'est quand vous recevez Fanny Ardant. La cuisine, Fanny, ou pas? Non. Bienvenue au club. C'est facile quand il faut que ça se fasse? Ça se passe pas comme ça. On ne se pose pas la question comme vous pouvez la poser. Ouais. La réalisatrice vous a demandé d'être en jean. Ça vous va vachement bien en plus, mais il paraît que ce n'est pas du tout votre truc. C'est vrai? Vous n'étiez pas très jean? Mais j'ai passé ma vie à porter des jeans. Il y a un moment donné où on se dit, je ne vais jamais y arriver, avec le recul. Non. Il faut avoir le feeling aussi pour aller chercher ces comédiens. Oui, c'est une sorte de... C'est sur le charme. C'est sur tout ce qu'on ne peut pas définir, justement. Comme si... Comme les chiens dans la forêt. Désiré ou voulu? Désiré. Voulu? Voulu. C'est encore mieux. Hein.
On te va bien, madame la marquise. C'est après que t'as arrêté les télés, non? Ouais. Non, mais il y a, des jours où, de toute façon, vous le savez très bien, ils n'ont pas forcément envie. Peut-être, je ne sais pas. Moi, je n'ai jamais émis de jugement. Je crois que j'ai eu beaucoup de chance, c'est d'avoir été bien éduquée. Non, mais c'est la base. Ouais. Et de prendre les gens comme ils arrivent et comme ils sont. Et de débriefer très souvent, après la plupart des émissions qu'on voit, moi, je tenais à voir ceux avec qui ça s'était plus ou moins bien passé. C'est-à-dire juste, prenez deux minutes. Et avec elle, ça a donné quoi? Bah, on a discuté. Avec Maïwenn, on a discuté aussi. Parce qu'en en fait, il n'y a pas de cas où on fait tout dans la douleur. Donc, je veux comprendre pourquoi. Et après, tu reviens ou tu ne reviens pas, mais moi, je veux comprendre pourquoi. Elle est revenue ou pas, Fanny? Oui. Ouais. Et c'était super. Mais parce que j'ai vraiment ce côté sans filtre, peut-être encore plus aujourd'hui qu'avant, parce que j'étais beaucoup plus jeune. Et puis parce que quand on est animatrice... On est sous contrat quelque part, donc on fait aussi attention à ce qu'on dit. Là maintenant, c'est génial. Vraiment, je peux faire ce que je veux, j'adore, je trouve ça trop bien. C'est un métier, hein, parce que moi, à ta place, je pense que j'aurais dit à Fanny Ardant, si ça vous embête, vous pouvez y aller. Moi aussi, oui, mais l'éducation. Mais tu l'aurais fait, hein. Oui, mais l'éducation aussi, je ne vais pas vous forcer. Non, mais je sais, j'aurais avec pu. Beaucoup de politesse, hein. Oui, mais dans l'oreillette, j'avais mon producteur, puis Antoine Capeton, qui me disait allez, plus que. Allez Mais en même temps, j'ai beaucoup d'admiration, et c'est vrai, j'ai toujours eu du respect pour les invités qui venaient à ma table. Et sincèrement, parce que je trouvais magique qu'ils viennent... Cette émission, encore une fois, on l'a démarrée, il y avait 45 000 personnes, on l'a montée à 1 million. Je vous assure que les premiers invités que vous recevez, vous avez envie de vous prosterner devant. Pierre Perret. Et entre autres, oui, c'est vrai, c'est souvent les anciens d'ailleurs qui nous ont super rendu service, comme Jean d'Ormesson, comme Jacques Chancel. Et je les aime profondément, paix à leur âme. Mais voilà, ouais, mais c'est tout ça qui vous construit. Et c'est tout ça qui fait qu'à un moment donné, vous vous dites, eh ben voilà, la personne que je suis aujourd'hui, elle s'est nourrie de ces petits trucs-là. Elle a appris à dire non, elle a appris à faire des choix. Elle a appris à prendre un chemin plus atypique qu'un autre. C'est parfois dur parce qu'il y a le regard des autres, les injonctions, les croyances limitantes, tout ce qui fait que ben voilà, j'ai pu écrire un seul en scène. On va écouter ce qui se dit parfois derrière vos mots. C'est notre portrait caché, c'est une psychanalyste, Caroline Weil, qui vous a écouté. C'est signé Elsa Chance. C'est le génie dans Aladdin qui te propose trois vœux. Mais dans la vie, l'univers t'en offre des milliers. Et c'est juste à toi de t'en rendre compte. Alessandra Sublet, je vous écoute. Il faut savoir faire des choix, parfois prendre des risques énormes. Et se dire que même si on n'y arrive pas, bah c'est pas grave en fait. Ça s'appelle sauter dans le vide et tant que tu sautes pas, tu sais pas. C'est intéressant cette notion de risque pour Alessandra parce que je crois que c'est la manière qu'elle a de se sentir vivante et pour elle c'est une forme de rapport au monde. On ne saute pas dans le vide comme ça. Ça veut vraiment dire marquer la rupture entre le monde connu et ce qui est inconnu. Et ça ne se fait pas par hasard. Il faut avoir été, dès sa plus jeune enfance, très étayée, c'est-à-dire bénéficier du soutien parental, d'un regard porteur, d'un regard aimant, qui vous permet d'avancer sans avoir peur. Dans ma carrière, les premières années ont été terribles, parce qu'en fait, chaque petite chose que tu fais, on l'analyse. J'ai appris à l'accepter, j'ai compris qu'on ne pouvait pas plaire à tout le monde et que le regard des autres n'allait pas m'aider à avancer. Alessandra Sublet parle beaucoup du regard des autres, ce qui veut dire qu'elle y est sensible ou que ça a été important pour elle. Maintenant, rester dépendant du regard de l'autre, c'est ne pas pouvoir être libre. Et comment s'en est-elle affranchie? Eh bien, tout simplement en acceptant de s'exposer. Elle s'est exposée en parlant de ses traumatismes, de ses divorces, des difficultés qu'elle a eues à être mère. C'est comme ça qu'elle a pu trouver cette liberté qu'elle revendique depuis toujours et qu'elle a accepté, au fond, d'en payer le prix. Moi, je ne suis que erreur. J'en ai fait plein. Avec des amis, dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle, avec mes enfants aussi. Mais ce sont ces sommes d'erreurs qui font ce que je suis, j'en suis convaincue. J'ai l'impression que Alessandra Sublet a renoncé à une image idéale d'elle-même. Elle a accepté de lâcher prise. Et pour lâcher prise, il faut savoir renoncer. Renoncer, c'est accepter que ça ne soit pas parfait. Au fond, le secret du bonheur, c'est lâcher cet idéal du moi qui peut être terriblement tyrannique et se dire que même les gens formidables ne sont pas formidables tout le temps. Est-ce que vous avez bien cerné ? Ah ouais, c'est hyper... Bah oui, non, c'est... mais c'est très juste. Alors, j'ai jamais été chez le psy, mais
C'est, oui, oui, c'est une analyse très juste, mais je pense que d'ailleurs Stéphane et Vianney pourraient se reconnaître aussi là-dedans. Sur les photos, pas encore. Non, mais oui, oui, je suis très, très d'accord avec ça. Et c'est important de s'affranchir du regard des autres. C'est très difficile quand on fait un métier public, je trouve. Mais il faut parce qu'en fait, encore une fois, le chemin qu'on prend n'est pas celui du voisin. Mais j'ai eu la chance, oui, elle le dit, c'est vrai, d'avoir des parents aimants, d'avoir des parents qui me soutiennent, d'avoir des refuges aussi, qui sont des refuges, et puis des valeurs. Voilà. Est-ce que parfois vous avez été paumée à cause du regard des autres, à plus trop savoir qui vous étiez, ni quelle était votre place ? Non, mais trouver sa place, de toute façon, c'est très difficile. Savoir à un moment donné que c'est là qu'on s'épanouira et que c'est là qu'on doit être, je trouve que c'est presque le chemin d'une vie. Après, il y en a qui le trouvent peut-être plus facilement que d'autres, mais ça prend du temps. Elle est au bout de soi-même et se rendre compte qu'il n'y a personne. Oui, et puis tu es obligé de travailler sur toi un petit peu quand même. Juste... Pardon, je viens de comprendre, je suis un vieux diesel. On verra un mail. Non, mais voilà, ça prend du temps, mais c'est important. C'est important de choisir son chemin à soi, vraiment, de faire vie du regard des autres. Il y a un mantra dans le spectacle. Votre mantra, c'est CCM, culot, confiance, mensonge. Donc, je n'ai pas été une seule seconde étonnée de vous entendre dire ça sur scène. On a travaillé ensemble, donc on se connaît. Il y a une petite complicité. Et notamment sur le mot mensonge. Est-ce que je peux quand même avouer que Tu peux tout dire. Mais vous mentez sur des conneries souvent. Ouais. Je ne mens pas sur des gros trucs. Ouais, non, je ne mens pas sur des gros trucs, mais je mens sur des conneries. Oui, parce que j'ai fait croire à tout le monde que j'avais des lapins et des poules. Qui fait ça ? Oui, non, mais moi j'ai des mensonges de 12 ans, j'adore. Ça a duré quoi ? Ça a duré 5-6 mois. Non, mais ça a duré, ça a été un gros gimmick et j'allais ramener les œufs. Mais pour des conneries, j'adore ça. J'aime beaucoup faire marcher les gens et je peux le faire longtemps. Et c'est drôle de voir que les gens marchent. Est-ce que depuis le début, tu as raconté des conneries ? Est-ce que tu as raconté sur quelque chose ? Non, parce que là, pour le coup, je rencontre. Non, quand c'est profond, je mens pas. Par contre, sur des conneries, et surtout quand je me fais chier. Et comme je me fais souvent chier parfois avec les gens. Très sympa, un bon repère. Il avait beaucoup menti à elle. On a travaillé vraiment ensemble au quotidien. Mais un jour, tu vas me dire, tu sais, j'ai des hippopotames chez moi. Tu te fais un peu chier, oui. C'est pour mettre du piment, en fait. C'est pour mettre du piment à la vie que vous trouvez fade parfois. Vous vous dites, allez, j'ai des poules. Je sais pas, depuis que je suis gamine, j'aime bien. J'ai fait du scoutisme longtemps. C'était des jeux qu'on avait, un peu débiles. Et puis, je sais pas, j'ai une âme d'enfant, moi. Je suis comme ça. C'est pour ça que j'aime beaucoup être avec mes enfants, parce que je me retrouve bien plus dans leur monde que dans celui du monde des adultes, qui parfois est très chiant. Voilà. D'autres questions ? Oui. Alessandra, dans votre spectacle, vous invitez le spectateur à prendre des risques, à tout tenter, quitte à échouer. Alors vous dites ça pour notre bien. Et moi, je me suis posé la question si ça ne nous foutait pas la pression, au contraire. Un peu, vous savez, comme dans le développement personnel, où on nous dit « Sois libre, sois heureux, deviens qui tu es ». Putain, moi, si j'en sais rien, quoi. Ce que j'explique, c'est pas ça. Ce que j'explique, c'est si tu as échoué, si tu as le sentiment d'avoir échoué dans ta vie, c'est plutôt une bonne chose. Parce qu'encore une fois, c'est ce qui te construit et qui, je pense, font de l'être humain quelqu'un de meilleur. Donc si tu le prends à l'envers, c'est que t'es tordu. Non, parce que j'ai entendu beaucoup de « il faut », « tu dois », mais peut-être que c'est complètement mon oreille. « Tu dois », je le dis pas, parce que je suis ni coach... Bouge-toi le cul, bouge-toi le cul, c'est ma... bouge-toi le cul, c'est ma pyramide. C'est-à-dire que, globalement, quand les gens disent... Mais non, mais dans la vie, c'est le... Sur du papier toilette. Bouge-toi le cul, c'est la pyramide. Bouge-toi le cul, c'est... Oui, parce que je fais opposition à la pyramide de Maslow, pour ceux qui connaissent, qui est vraiment la pyramide de la construction, entre guillemets. Et en réalité, oui, il y a... Le mouvement crée la chance. Si tu ne bouges pas, effectivement, ça ne va pas tomber du ciel. Donc les gens souvent vous disent « Oui, mais pour toi, c'est facile. » Mais c'est facile de quoi, en fait ? Non. Tu travailles, tu avances et c'est tu bouges le cul. C'est dur pour tout cul. Le monde. Voilà. Je suis désolée, mais ça marche comme ça. Bouge-toi ta pyramide. Oui. Mais non, mais c'est la vérité. Sors-toi la pyramide. Oui, c'est la vérité. C'est la vérité. Vous racontez vos échecs amoureux aussi ? Oui. On a l'impression nombreux. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes amoureuse ? Est-ce que vous avez retrouvé l'amour ? Alors, je ne raconte pas mes échecs amoureux pour raconter ma vie, parce que ce n'est pas un spectacle que sur ma vie. C'est encore une fois pour expliquer que le divorce, qui est devenu une procédure banale pour l'ensemble de la société, est en réalité traumatisant pour ceux qui le vivent. Et que quand on a des enfants, il y a tout un process qui n'est pas simple. Et je l'explique, j'explique qu'aucun parent n'a reçu de formation pour trouver les mots justes lors d'un divorce, que de toute façon, on ne pourra jamais éponger la peine de nos enfants quand deux adultes se séparent. Ça n'a pas eu d'influence sur votre vie pro Mais de divorce ? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas et j'ai beaucoup de chance parce que j'ai deux ex-maris géniaux. Non, c'est vrai, et dont le père de mes enfants, que je salue. Et voilà, et ça, réussir un divorce, c'est aussi chouette qu'un mariage réussi, je crois.
qui lui savait que vous n'aviez pas de poulet et de lapin. Non, Maëva, mais je t'avais très utilisé. Apparemment, c'est lui qui a vendu la vache. C'est lui qui a vendu la vache. C'est l'heure du temps avec Victor de Kiva. Vous évoquez un phénomène sur TikTok, les vieux gays. Oui, les vieux gays. L'histoire va vous passionner, tous les trois. Et même si vous n'êtes ni vieux, ni gay, en tout cas, pour l'instant, je vous présente les old gays. Quatre vieux garçons dans le vent. C'est un véritable phénomène sur TikTok. Ils ont entre 67 et 80 ans. Ils sont suivis par 11 millions de followers. Et ils adorent les margaritas et les maillots de bain rikiki. Alors tout commence en 2018, après une soirée arrosée, ils décident de publier par hasard une vidéo, très vite c'est le succès, les shorts rétrécissent au fur et à mesure et le hasard devient un combat. Ces vidéos deviennent pour eux l'occasion de montrer une autre image des gays vieillissants qui sont bien trop souvent rendus invisibles, tout comme les seniors en général d'ailleurs. Alors heureusement, la résistance s'organise, les influenceurs âgés et pas seulement gays se multiplient sur les réseaux sociaux, les mamies et les papis veulent avoir l'air cool, faire rire et donner la pêche. Alors ma préférée à moi a bientôt 97 ans, elle s'appelle Ross Smith et elle n'hésite pas à mettre un joli plaid quand elle a froid, quand elle a un peu de maladie. Alessandra, je suis sûre que c'est le genre de plaid que vous pourriez porter. Non, je reste encore un tout petit peu distinguée même chez moi, mais là, à mon avis, c'est la fin, donc elle peut faire ce qu'elle veut. C'est un sarcophage en fait. Oui, c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça, j'ai tout, on sait pas. Hein. Ah bah donc je pense que Natacha peut nous tricoter un truc comme ça. Ça ne sort pas à l'abri. La tradition. Stéphane vient d'en sortir une très bonne. C'était quoi? On dirait la Sainte Vierge. Oula. On peut la couper. Ouais. Hein. Oui, non, non. Si, on va la garder. La transition est difficile pour aller vers vous, Vianney. Vous sortez. Ah oui, vous avez chaud. C'est chaud. C'est vraiment sympa. On y va quand même. À deux, à trois. C'est votre album qui est déjà un franc succès, qui a déjà un franc succès. Vous le disiez tout à l'heure, pas de tournée pour cet album. Et vous trouvez que votre vie intime s'en sort mieux, votre vie personnelle, parce que vous aviez l'impression avant que ça tournait trop autour de vous, c'est ça? Oui, en fait, c'est ça. Et puis après, je dis ça, c'est qu'on a fait des milliers de concerts. Donc en fait, des milliers, et c'est en peu de temps. Moi, ça fait pas si longtemps que je fais des concerts. Donc on en a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Où moi je donne à 2000%. C'est pas, j'arrive pas à 5 minutes du concert. Je dors dans le bus avec les gars, je me lève avec eux, et puis je passe la journée avec eux, puis je rencontre une asso l'après-midi, et puis je fais le concert, puis je rencontre les invités après, puis les gens après jusqu'à 2h du mat. Et en gros, ça bouffe tout. Mais c'est comme ça que je voulais faire. Je voulais vivre la tournée. Mais je veux plus, du coup, être plus en jamais. Tournée. Plus pour l'instant, ouais, je sais pas. J'ai au moins 3 ans sans concert. Mais il y a un temps pour tout, en fait. C'est juste qu'entre-temps, voilà, il y a eu mon bébé. Et puis, maintenant, j'écris plus pour les autres que pour moi. Et en fait, c'est ça qui me fait beaucoup, beaucoup de bien. Il n'y a pas de frustration à ne pas avoir la réaction immédiate du public? Pour l'instant, non, ça va. Mais on a les réseaux aussi. Ouais. C'est pas la même chose. Mais quand même, j'ai quand même un lien avec mon public, qui est pour le coup vraiment important pour moi. Je peux les lire. Mais par exemple, je lisais plus le courrier avant. Maintenant, au label, ils me font mon petit paquet, tout ça. Voilà, exactement. Maintenant, je peux. Je ne dis pas que je le fais, c'est encore compliqué, mais je vais le faire. Bon. Donc voilà, j'ai plus de temps pour faire des choses qui me tenaient à cœur et notamment écrire des chansons. Il y a ça aussi. Moi, je suis au début, donc j'ai envie d'écrire plein de chansons. Je veux dire, je les ai et je sens qu'elles veulent sortir. Donc, vous allez peut-être réapprendre à vous ennuyer, finalement, avec tout ce temps. J'aimerais beaucoup. Franchement, c'est une ambition. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui écrivent pour toi? Non. Mais je suis pas contre, mais j'ai pas réfléchi à ça. Stéphane, vous voulez une proposition? Ah ouais, non, je suis chaud. Vous chantez en duo, notamment avec Renaud, la chanson Maintenant. Quand vous avez écouté en studio ce titre que vous veniez tout juste d'enregistrer avec lui, ça a fait monter les larmes. Maintenant n'est pas après. Même s'il n'y a pas de maintenant. Et d'ailleurs, vous avez pris une photo de cette émotion qui était la vôtre à ce moment-là. Pourquoi? Ouais, c'est vrai, parce que en fait, Renaud, c'est vraiment mon idole. Voilà, j'en ai quelques-unes, mais dans mes Madeleine de Proust et ces mecs qui sont toujours un peu le phare dans la nuit, quand tu sais plus qu'écrire ou quoi, t'as toujours Renaud et sa poésie. Elle est indémodable, en fait.
Donc lui, voilà, comptait beaucoup dans ma vie avant. Et quand j'entends sa voix sur les mots que j'écrivais moi... Et vous lui faites pas dire n'importe quoi. Vous lui faites dire, certains voudraient vivre vieux, c'est une erreur, il faut vivre mieux. Ouais. On sent qu'il a une voix qui a vécu. Ouais, bah c'est peut-être ça qui vous touche aussi. Ce qui me touche chez Renaud, en effet, c'est qu'il a eu cette vie d'une intensité folle, avec des choses dont il a parlé, des addictions, etc. Il est toujours là et il nous bouleverse toujours autant. Donc c'est très touchant d'être à son contact. Et surtout que c'est vrai qu'il s'exprime moins. Là, il est plus mutique, mais son regard, le regard de Renaud, il est toujours généreux. Moi, quand je suis arrivé dans ce métier, j'ai demandé aux gens du métier, mais il est comment, Renaud? Parce que c'était une idole et tout le monde me disait, c'est un généreux, c'est peut-être le plus généreux. Et c'est toujours le cas et on le ressent. Donc d'être avec lui, c'est déjà une chance, c'est déjà touchant. Et quand en plus, il se met à chanter un truc qu'on va faire ensemble, évidemment, pour moi, c'est immense. Mais justement, il y a un paradoxe. Renaud, c'est celui qui porte ses démons, une forme de noirceur. Vous avez l'image du chanteur gentil. C'est même devenu un gag, en fait. Vous êtes un des personnages récurrents de Daniel Morin sur France Inter avec Eva Rock. Il y a ce côté, voilà, le chanteur du positif. Est-ce que c'est... pour vous, quelque chose d'assumé? Est-ce que c'est l'idée que d'être dans cette émotion qui est une émotion positive, ça porte une vision du monde? Ouais, après, je suis très conscient depuis le début de ne pas avoir forcément tous les codes ni esthétiques ni culturels, en fait. C'est-à-dire quoi, ni esthétique? C'est comme ça, je suis pas flamboyant. Bon, c'est comme ça. Pas un rocker maudit, ça c'est clair. Non, bien sûr que non, mais en fait, j'ai jamais cherché à être tout ça, mais c'est surtout que je crois que les chansons, pour moi, il y a vraiment une dimension thérapeutique. C'est galvaudé de dire ça. Moi, c'est réel. Quand je pose en musique quelque chose, ça me fait un bien dingue. Je m'allège de poids que j'ai en moi. La différence, c'est que je ne fais pas publicité de mes blessures. En revanche, je fais ces chansons et ce métier parce que je suis un écorché. Le truc, c'est que les gens, on les écorche assez au quotidien. Moi, j'ai choisi de propager quelque chose, c'est vrai, de plus positif que de négatif. Mais j'en suis très fier. Et c'est ce qui fait aussi, quand j'étais en tournée, j'adorais voir qu'il y ait des ados, des jeunes, des mecs de mon âge, des darons, des grands-parents. Moi, je suis fier de propager un truc qui est positif. C'est peut-être pas la grande tendance du moment, mais tant mieux. Ça change un petit peu. Vous chantez debout avec l'ancien sans-abri Éric de Villers, qui a un message pour vous. Ah bon ? Salut Jeanne, c'est Enrico. Bon anniversaire de rencontre. Et oui, il y a quelques jours près, c'était il y a 4 ans qu'on s'est rencontrés à la Trinité où tu étais bénévole, moi hébergé. Je rentrais d'une sensibilisation un soir avec Entourage et tu veillais avec Doudou. Et on a parlé jusqu'à 4h du matin. Pour enlever à 7h après, c'était un peu dur. On a parlé de ce qu'on aimait tous les deux, de la musique, de la chanson notamment, de l'écriture. Et tu m'as fait une promesse. Et cette promesse, bien, elle est arrivée 4 ans après, via ton album, le dernier album, où tu as inclus une chanson dont je suis l'auteur, dans laquelle je baragouine 2-3 mots également. Mais c'est toi qui as tout fait autour, la composition et les chants. Merci mon grand, merci, génial. Et aussi, merci pour toute l'amitié qui dure entre nous, les petits coups de fil qu'on se donne de temps en temps, les rencontres qu'on se fait. C'est votre ami, il vous dit merci. Il dit que ça a été aussi un coup de boost pour lui, cette chanson. Tant mieux. Magnifique. Tant mieux, ça s'entend, c'est un Belge. Ouais. Un patriote. Vous êtes ému? Je suis ému, bien sûr, je ne m'attendais pas du tout. Alors là, franchement, je ne sais pas comment vous avez son numéro, parce qu'il ne répond pas beaucoup. mais Eric, oui, je suis ému, parce qu'en vrai, voilà... c'est pour rebondir sur la question. Moi, je préfère être avec des gens comme ça, passer ma vie avec des gens comme ça, avec des gens peut-être plus hype et plus regardables. Moi, les invisibles comme Eric, j'en connais beaucoup. J'en connais beaucoup qui ont du talent aussi. Et lui, il y en a. Alors, c'est sûr, on le voit comme ça. Et je pense que les mecs qui le voient faire la manche dans le 17e, ils n'imaginent pas que ce gars, il écrit des textes magnifiques. Mais c'est toute la beauté au fait de regarder l'intérieur des gens. Et lui, à l'intérieur, c'est une belle âme, c'est quelqu'un de bien. Donc voilà, je l'ai connu dans un contexte, à la base, où on n'avait rien à foutre de la musique. On n'était pas là pour ça, on était là pour bouffer de la soupe et discuter.
Et puis, et sauf qu'il écrit bien. Donc je lui avais dit de faire une chanson entre nous à la base, mais c'était tellement bien qu'il fallait l'enregistrer. Donc ouais, il fait partie de... Il est à côté de... Il adore Kenji, Chiran, tout ça, Renaud, donc je l'ai mis à côté des copains. C'est incroyable, la classe. Vous êtes fan, Alessandra? Ah ouais, mais il le sait. On est venu le voir avec mes enfants en concert. Et puis, lui aussi, c'est une belle âme, c'est un garçon lumineux. Et je suis entièrement d'accord avec ce qu'il dit. C'est-à-dire que la vraie vie, elle se passe ici, en fait. Elle se passe pas sur papier glacé de savoir qui sort avec qui. Et c'est cool de porter les mêmes fringues. Mais oui, c'était leur premier concert. Ils étaient comme des dingues. Et voilà, la générosité de Vianney, c'est qu'après, moi, je repartais à la campagne. Donc, on avait un peu de route. Donc, on est pas resté. Et puis, il m'a envoyé une petite vidéo, c'est vrai, à 2h du matin pour les enfants, pour les remercier. Je l'adore, il le sait très bien, et il y a très peu de gens dans ce métier qui ne font pas semblant, qui sont vraiment eux-mêmes, et il fait partie de ces rares personnes-là. Voilà. Vous auriez pu ne jamais être chanteur, parce que vous vouliez, je crois, même être styliste ou joueur de rugby. Ouais, vous êtes allé loin dans le stylisme. Hein. Vous ouais, avez j'ai fait mes une études, école, ouais. études de couture. Ouais, 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 j'adore ça. Un rugby, t'aurais pris cher. Rugby, j'ai arrêté à 22 ans. Rugby. Et à quel moment vous avez trouvé votre voix? Non, en fait, j'ai quand même toujours écrit des chansons. Ça, je savais que c'était ce que je préférais, mais juste, franchement. Vraiment, j'étais sûre de ne pas avoir du tout ce qu'il fallait. Là, on voit, c'est bientôt de série ouais. Netflix. Ouais, c'est vrai. Au lycée militaire de Saint-Saëns. Ouais, ouais, c'était ouais. ma classe, on est mes uniformes, nous. Bah, là-bas, j'écrivais beaucoup de chansons. Voilà, j'étais en pension. Donc là, je m'ennuyais et j'avais du temps. C'était top. Et bref, franchement, je ne connaissais personne nulle part. La musique, le théâtre, rien. Et donc, j'étais sûre que ce n'était pas pour les gens comme moi. C'est tout. Donc, je me disais, bon, par contre, des chansons... Je suis certain que j'en écris des mieux que ce que j'entends là à la radio et tout. C'était juste ça que je me disais. Donc je croyais en moi, mais pas au point de non d'être chanteur. Et ensuite alors, qu'est-ce qui fait que ça a lieu? Bah après, c'est que j'ai rencontré pour le coup une dame qui croyait plus que moi quoi, qui n'était pas manageuse, mais elle s'est dit bon, moi, je vais être manageuse de ce gars parce qu'il écrit des chansons et moi j'y crois. Et donc elle m'a donné, franchement parfois c'est une personne qui nous donne la motivation. Moi, j'avais déjà toutes mes chansons, mais je ne les partageais jamais, quoi. Elle est tombée dessus, parce que voilà, elle cherchait... Je venais pour un petit boulot, voilà. Faire une voix dans une pub, OK. Et elle m'a dit, mais pourquoi tu as une guitare? J'ai dit, parce que je fais de la musique et j'ai joué des trucs, et puis voilà. Je joue au rugby. Vous avez toujours votre guitare avec vous, ça tombe bien, parce qu'on aimerait bien vous entendre chanter Comment on fait. Ah, yes, yes. Danser dans ce drame, de prendre à la légère, comment tu fais toi? De ce vague à l'âme, j'aimerais me défaire, comment tu fais? C'est qu'une attitude, je simule ma foi, rien qu'une attitude, crois-moi. C'est qu'une attitude, le dernier mot je l'ai pas, sur la vie, au train où elle va. Comment on fait quand on prend des coups? Comment on fait? J'en sais rien du tout. Comment on fait? En fait, on s'en fout. Danser dans ce chaos quand tout va de travers. Comment tu fais, toi? De ces bas, de ces hauts, de nos cœurs à l'envers. Comment tu fais? C'est qu'une attitude, j'improvise parfois, rien qu'une habitude, crois-moi. C'est qu'une attitude, le dénouement je l'ai pas, plus c'est dur et plus j'y crois. Comment on fait quand on prend des coups? Comment on fait? J'en sais rien du tout. Comment on fait? En fait on s'en fout. Quitte à tomber encore, tout donner, et tant pis si j'ai tort. Après tout, qu'est-ce que ça fait? On s'en sort. Comment on fait quand on prend des coups? Comment on fait? J'en sais rien du tout. Comment on fait? En fait, on s'en fout. Bravo! Ah, le gars, il prend sa guitare et comme ça, en 5 minutes, il t'embarque et hop là, allez. Bon, merci le talent. Les lumières aussi. Ouais.
C'est sympa. C'est parfait. Je sais toujours pas comment on fait après la formation. C'est la morale. On sait pas comment on fait. Tout de suite, c'est le JO avec Louis Amar. Bonsoir Louis, on commence avec Paris 2024 devant l'Assemblée Générale de l'ONU. Oui, c'est le discours de la semaine. Tony Estanguet, comme un chef d'État, à la tribune des Nations Unies, c'était mardi. Le président du comité d'organisation y a défendu sa résolution de trêve olympique au nom du gouvernement français. Résolution adoptée à la quasi-unanimité. Seuls deux États sont abstenus. Surprise, la Russie et la Syrie. Cette trêve, c'est un vestige de l'olympisme antique. Une tradition qui remonte au 9e siècle avant Jésus-Christ. Quand faisaient rage les guerres dans le Péloponnèse, les combats s'arrêtaient une semaine avant les Jeux et ne reprenaient qu'une semaine après pour permettre aux spectateurs et aux athlètes de participer sans prendre de risques. Cette tradition a longtemps été mise en sommeil. Ce n'est qu'en 1992 que le CIO l'a réveillée en plein conflit en ex-Yougoslavie. Bien sûr, c'est une résolution qui est purement symbolique, un appel à la paix, mais rien, malheureusement, ne contraint les belligérants à cesser les hostilités. On enchaîne avec des villes qui ne veulent pas de la flamme. Trop cher, trop lourd à organiser, des élus disent non à Paris 2024, c'est la tuile de la semaine. La flamme olympique doit traverser le pays, vous le savez, du 8 mai au 26 juillet, mais de plus en plus de communes et de départements n'en veulent pas. Des départements qui doivent verser près de 200 000 euros chacun pour se trouver sur le parcours. Lyon, par exemple, troisième ville de France, n'en sera pas. Pareil pour Évreux, en Normandie. Écoutez le maire justifier sa décision. Selon le maire, la ville doit assumer seule l'ensemble des frais liés à cet événement. Du personnel de sécurité supplémentaire, puisqu'on nous en impose tous les 20 mètres. Du coût supplémentaire avec des heures supplémentaires pour nos agents. C'est la fermeture de la ville pendant 2 jours. Vous voyez, des choses qui sont finalement très exigeantes pour le passage pendant 1 heure d'une flamme. Donc tout ça fait qu'aujourd'hui, nous ne pouvions pas accepter les choses telles qu'elles étaient proposées. En tout, 10 départements ont refusé que la flamme passe chez eux. On termine avec une confirmation. Oui, on parlait de rugby. Elle concerne le meilleur rugbyman du monde, Vianney. Antoine Dupont, la star de la semaine. Je vous en avais parlé il y a un mois, c'est maintenant officiel. Il sera bien aux Jeux Olympiques avec l'équipe de France de rugby à 7 qu'il rejoindra dans le courant de l'année pour tous les stages de préparation. Si tout va bien donc, sauf blessure, Paris 2024 pourra aligner le trio dont il rêve, les prodiges du foot, du rugby et du basket, Mbappé, Dupont et Wembanyama. Pas mal, non ? C'est vrai, magnifique. C'est, vrai, oui. Ouais. C'est dans combien de temps déjà ? Vous me demandez de compter les mois, alors après, c'est le 26 juillet, donc débrouillez-vous. Merci beaucoup, Louis. Avec plaisir. C'est le mot de la fin. Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Mais il bouge vraiment à tous les râteliers, celui-là. Qu'est-ce que tu fais déjà? Ça me fait plaisir de vous voir, mais Tanguy m'a laissé une petite lettre parce qu'il ne pouvait pas venir. Donc il m'a demandé de passer, ça ne vous dérange pas, enfin, comme ça. Non, oui, c'est vrai. Surtout, ne dites pas quand vous venez sur mon plateau. Vous ça vous aurait fait une d'impatience. Je suis content de te voir. Oui, vous m'avez manqué. Ce sera notre invité la semaine prochaine dans Bande organisée. Ah oui, on fait ça pour Stéphane Debrot, bon an, comme on se connaît. Avec monsieur Gabriel. On adore. Je ne connais pas. Oui, monsieur Gabriel. Tanguy, donc, me dit, cher Alex, voilà, je t'écris du fond de mon lit, car je guéris péniblement d'un Covid, véridique, voilà, coriace. Une Covid, il ne sait pas écrire déjà. Alors, il m'a dit, lui, je ne l'aime pas, et je comprends. Il m'a dit, un Covid qui m'a laissé que 3 neurones, ce qui est suffisant pour chroniquer sur TPMP, mais pour ses hebdo, non. J'ai donc réfléchi à me faire remplacer par un de mes amis dans le métier. Ça a été assez rapide, je n'en ai qu'un. Toi, pas de chance pour ces hebdo. En matière de drôlerie, tu ne vaux qu'un demi-pastureau. Mais comme tu vaux 3 caves rivières, ça ira très bien. Merci d'avoir accepté, même s'il n'a pas fallu te forcer pour venir t'asseoir à côté d'Aurélie Casse. Sache en revanche qu'elle ne nourrit pas du tout les mêmes sentiments à ton égard. Quand elle parle de toi, elle dit le Sébastien Coé du plat pays. Oh non, c'est pas gentil, en tout cas. Salut là de ma part, ainsi que Natacha Polony. Voilà, cette dame aux cheveux durs, mais au regard doux. À vous deux, vous êtes un sujet d'étude infini pour Jacques Desange, Tanguy. Un bisou aussi à Eva Rock, la marieuse de Célébdo, qui chaque semaine trouve des points communs à des stars qui n'en ont pas. Je pense que le jour où on aura Éric Zemmour et Teddy Riner, elle leur dira, c'est fou, ce que vous vous ressemblez.
Quant à Victor de Quiver, tu le repéreras facilement. C'est la seule personne à ne pas porter la même tenue en partie 1 et en partie 2. C'est Maria Carey, mais en plus tard. Tu connais bien, hein ? Je te demande également de faire sortir Stéphane de Groot. Deux Belges sur un plateau, ce n'est pas une émission, c'est un grand remplacement sans les Arabes. Salut Amical à Vianney, me dit-il. J'espère qu'il est correctement assis sur sa chaise, parce qu'à The Voice, il n'a jamais réussi à le faire. Et Alexandra Sublet, il vous aime beaucoup. Voilà, cette femme qui a lâché TF1 pour se lancer dans le théâtre, qui donc déteste l'argent. C'est bien de voir qu'il reste des gens de gauche. À bientôt, mon Alex. Ne te fais pas d'illusions, ta présence ce soir dans Célébdo est temporaire. Je vais revenir très fort la semaine prochaine. Tonton Guilounet, voilà, il vous embrasse. Oh, merci beaucoup, Alex. Bravo. Et on a votre livre, L'histoire du suppositoire qui visait la Lune. Ça, qui le veut ? Moi, je prends la gomme parce que vous l'avez envoyé. Et ça, voilà. Ah oui, c'est génial. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Alessandra Sublet, tous les risques n'auront pas la saveur du succès. C'est au Théâtre Libre jusqu'au 23 décembre. Stéphane de Groot, Un léger doute, c'est au Théâtre de la Renaissance jusqu'au 7 janvier. Vous êtes à côté. Et Vianney, l'album A2, A3. Est un carton, il était en vente il y a peu et il s'arrache déjà. Voilà, c'est terminé. Et vous êtes le parrain, j'ai oublié Vianney, du Téléthon qui va avoir lieu le 8 et le 9 décembre. Ce sera le 30e. Non, c'est fini. Je voulais lui dire que ce qui fait son charme, c'est qu'il est normal. C'est pour ça qu'il est formidable. Et quand tu disais tout à l'heure, il ne faut pas croire quand on dit qu'on est formidable. Évidemment, ça dure 2 secondes, mais après, il faut passer à autre chose. Exact. Et donc voilà. Merci Stéphane. Merci. C'était le petit bonus de Stéphane. Merci d'avoir été avec nous.